on fait un maximum de bruit pour accueillir l'homme de l'ombre, il s'appelle Mansell. Bravo mec, bravo pour ton travail, bravo, bravo. Mansell, tu vas venir avec moi tranquillement, tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu as fait, quel est ton rôle dans cette émission pour cette nouvelle génération de danseurs. Bah mon rôle dans l'émission, t'as des fans, ça a été de trouver des perles qui sont aujourd'hui devant vous. Et sans être prétentieux, je suis très très content d'eux et le niveau qu'ils ont apporté sur scène. Et je leur souhaite le meilleur pour l'avenir. Et je pense que c'est tout ce qui va arriver. Mansell, toi, tu es un danseur depuis très longtemps. Tu fais partie des Pokémon. Qu'est-ce que tu nous prépares maintenant après cette émission-là? Tu as sûrement des projets. Voilà, donc après cette émission, je crée mon propre spectacle qui est en cours de création. Donc la première se fera notamment sur Paris aux alentours du 6 avril en espérant vous voir là-bas. Eh ben on sera tous là. Merci, merci Mansell. On va d'ailleurs regarder tout de suite tout le travail que tu as fourni pour nous amener tous ces jeunes talents. On se penche tout de suite sur le travail de Mansell. Rencontre avec l'homme de l'ombre de cette compétition, Mansell. Wow. Mets-le au fond avec les filles. Wow. Enfin, ce que j'ai vu des costumes, je pense que la plupart ils sont adaptés. Ça crée un univers pour chaque groupe. C'est intéressant. Après, l'essentiel c'est qu'ils soient à l'aise pour danser et pas trop décalés. Alors, c'était bien ou pas? Non, bah, je suis lyonnais aussi, alors faites attention à ce que vous dites. Là, vous allez faire les essayages, on va vous dire, on va vous prendre un par un. Vous allez essayer vos costumes, après on va aller sur scène, faire les marquages pour le show. Le début, là, fais bien un pas quand tu fais le premier. Mansell, c'est un peu le grand frère. Présent dès les présélections, il s'est fixé un seul objectif, rendre cette aventure unique pour ses petits protégés. Okay, quand il dit 5, 6, 7, 8, tout le monde passe. Ici, les pas en avant, c'est que pas comme dans un battle normal où les scènes elles sont rectangulaires. Le respect, il est très important. Je parle Lyon, Marseille, pour tous les groupes. Il faudra gérer ça stratégiquement parce qu'il est possible que certains danseurs ne passent pas. Après, c'est un choix du coach. Allez, petit cadeau. Battle improvisé avec les Flow Killers lors de sa venue à Lieusaint. With your sound, you kill me. So don't.